Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter mon dernier livre. Je n'avais pas eu le temps de tourner la vidéo encore, mais il a été vendu très rapidement. Mais Laverne, qui l'a acheté, merci Laverne, voulait quand même voir une vidéo plus détaillée de comment est-ce qu'on pose que des photos que j'avais partagées hier sur ma page Facebook pour ceux qui l'ont vu. Fait que c'est un livre de format 9 par 6. Avec une épine ronde, on voit ici, de 2 pouces, couverture rigide, donc avec un embossage d'un papillon et un faux fini jean délavé, on va dire. Fait que ça, c'est le devant, l'épine et le dos. Fait qu'il y a des tags ici avec du tissu, le headband, je ne sais pas le mot en français, est en tissu à petit pois, donc qui rappelle ici les intercalaires entre chaque signature qu'on va retrouver ici. Donc il a 272 pages, 4 signatures, donc il est quand même assez épais. Ici, il y a un petit charme ici que j'ai fait. Dessous et il est fermé par un ruban. Donc quand on l'ouvre, on arrive ici sur la pochette de garde. Donc ici il y a une enveloppe avec pour mettre vos souvenirs, vos photos, ce que vous avez récolté de votre journée. Ici, il y a encore du tissu, donc un petit pois qui rappelle un petit peu toujours mes fils. Une sous-couverture pour imiter le style grungy du jean délavé un peu. Donc les franges ici en sous-couverture. Donc les quatre signatures sont sensiblement les mêmes. On retrouve à peu près les mêmes choses, sauf que les images qui sont à l'intérieur sont toutes différentes. Je parle des ajouts et les pochettes au milieu sont toutes différentes. Fait qu'on fera pas le tour de toutes les pages, mais on va faire le tour de la première signature et puis ensuite je montrerai juste les choses qui diffèrent dans les autres signatures. Donc ici on a une carte d'écriture qui est assortie, coordonnée au papier. Donc ici on a tous les papiers ont été teints et ensuite pochés à l'encre avec un pochoir. Donc voilà, ces images-là que vous allez retrouver tout au long du livre sont toutes différentes les unes des autres. Elles sont dans chaque signature. Par contre, les motifs qu'on retrouve pour les pochettes se retrouvent aussi dans chaque signature. Du papier papillon. Close-up. Puis le papillon bleu, morpho. Du papier quadrillé ligné pour écrire. C'est plus pratique quant à moi. Ensuite, une pochette de coin supérieure avec de la dentelle ici. Une carte pour écrire. Encore une carte pour écrire dans une pochette. Ici. On peut laisser une photo, un texte, on peut venir agrafer hein, ce qu'on veut. Ici, donc, encore du papier quadrillé pour écrire. Un tag, du papier quadrillé. Papillon. Donc, tout est à thème papillon ou ben, aussi le papier a été décoré avec des roses. Ici, on a un tag. Donc, coordonnées toujours. Avec le papier qui en repousse un papillon, de la dentelle ici, double pochette, donc devant et derrière. Donc la pochette du milieu qui cache la couture. Et ici on retrouve une image vintage de papillon et une carte pour écrire. Dans chaque pochette de chaque signature. Ici encore du papier ligné. On repart donc dans l'autre sens
toute la symétrie. Ici, on a une image, une carte pour écrire et une carte pour écrire ici, avec une pochette bordée avec du tissu. Donc, du tissu. Ici, une autre pochette de coin. Un bandeau pour pouvoir glisser une enveloppe avec le flap par-dessus ou n'importe quoi d'autre que vous avez besoin. Une autre pochette ici. Des pages. Encore du papier lini. Et donc, de l'autre côté, la même pochette avec la même carte du papier assorti. La dentelle ici et un petit une breloque qui va se retrouver aussi surtout sur toutes les signatures à la dernière page. Donc ici on les a toutes. Les petites breloques sont toutes différentes. OK. Donc la deuxième signature, le papier est comme ça. Donc, la même affaire, je ne vous montrerai pas toutes les images et tout ça, mais la pochette du milieu, le motif, avec toujours une image vintage ici. Ensuite, le bandeau, tout s'y retrouve. Pochette. Ensuite, troisième signature, donc le papier comme ça. Donc, toujours pareil, la pochette. Là, on va aller directement à la page du milieu. Voyons. Je ne la trouverai pas. Ah. Donc, la pochette ici. La breloque. Petit papillon. Et la quatrième signature, comme ça. Et donc la pochette avec pareil l'enveloppe pour récolter vos éphéméras et le petit tissu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé et ça en va dans sa nouvelle maison. Aussitôt que je termine de downloader cette vidéo. Merci encore, Laverne. Merci à tous d'avoir regardé.